Les dégâts sont impressionnants. 3000 mètres carrés entièrement détruits. Vers 4h30 ce matin, un violent incendie a éclaté dans l'un des bâtiments de l'école Boisard à Vaux-en-Velin. Une école professionnelle dédiée au métier de l'automobile, dont deux des six ateliers, l'un de carrosserie, l'autre de productique, ont été entièrement ravagés par le feu. Pour en venir à bout, des moyens importants ont été déployés, 80 pompiers et une vingtaine d'engins. Mais ce matin, pour le directeur de l'école, la priorité, c'est de permettre aux quelques 140 élèves de reprendre au plus vite leur formation. Nous sommes en train de travailler avec les équipes pour voir comment continuer la formation de ces jeunes. Et notamment, ce qui nous importe le plus, ça concerne la vingtaine de jeunes qui doit passer un examen d'ici le mois de juin, hein, CAP ou Bac Pro, et donc pour lesquels, eh bien, il faut, on va tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent continuer à apprendre et réussir leur examen. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Les constatations de la police technique et scientifique attendues sur le site dans l'après-midi seront déterminantes.